à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo de motivation du dimanche. Donc, je vous embarque avec un mini shop with me. Donc, je suis allée à Auchan, à Primark, etc. Je vous montrerai juste après. Là, j'ai fait quelques images pour vous montrer. Et ensuite, je vais vous montrer un haul. On va se motiver à ranger, à mettre dans des boîtes, à nettoyer. C'est parti. Bon, ça y est, je suis rentrée. Donc, je suis passée à Primark, à Kiabi. Là, c'est Auchan. Et je suis allée à Zeeman parce que ce que je cherchais à Kiabi, je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris quand même 3-4 trucs qui me plaisaient. Mais du coup, j'ai dû passer à Zeeman pour récupérer. Donc, voilà. À part H&M et Zara, qui sont aussi des enseignes que j'aime beaucoup pour les enfants, ça, c'est vraiment mes 4 enseignes préférées pour les garçons. Primark, Kiabi, Zeeman et Auchan. Il n'y a rien de mieux que ça au niveau style. C'est vraiment ce que j'aime. On peut trouver des choses classe comme des choses un peu plus streetwear. Donc vraiment tout ce que j'aime. Carrément, c'est la première fois que je vais à Primark et que je prends rien pour moi. La seule chose que j'ai prise, c'est ce sac parce que je l'ai déjà en beige. Donc je l'ai repris en noir. Je le trouvais très très beau. Et j'ai acheté 3-4 trucs pour la maison. Des enseignes comme ça. Là, c'est des tiges qui sentent bon, mais c'est tout. Et j'ai pris une grosse bougie qui est là. Sinon, tout le reste, c'est que pour les enfants, que des habits qui habillent pareil. Vraiment que des vêtements. Chez Zeeman, j'ai trouvé un jogging pour Walid. Du coup, je lui ai pris et j'ai trouvé des verres. Je sais pas où ils sont. Ils sont là. Les verts comme ça, parce que mes enfants en ont déjà, mais pas de cette couleur, et c'est trop pratique avec la petite paille. Par contre, si vous les achetez, pensez à vous acheter un petit goupillon pour nettoyer à l'intérieur. Bref, donc j'ai pris ceux-là, plus des jaunes ou moutardes, je sais plus. Et sinon, voilà. Et à Auchan, pareil, que des vêtements. Et la première étape quand je rentre de shopping, surtout quand c'est pour les enfants, je vais tout trier. Donc je vais renverser tout le sac et je trie ce qui est pour Mathis, ce qui est pour Noé, ce qui est pour Aiden, etc. Pour pas me tromper, pour vérifier que j'ai bien tout aussi, parce que ça m'arrive des fois d'oublier des choses soit dans la voiture ou même carrément au magasin. C'est rare mais ça peut arriver. Donc comme ça je fais un petit inventaire dans ma tête et juste après je vais vous faire un mini haul en vous montrant chaque vêtement que j'ai pris pour les enfants. Bon, je vais essayer de vous faire un petit haul vite fait, mais directement posé par terre. Je vais pas vous présenter produit par produit en face cam parce que je trouve que c'est un peu trop long. Donc dans la catégorie home, donc tout ce qui est maison, j'ai pris ces petits diffuseurs de parfum. Le packaging est trop beau. J'en ai pris deux puisqu'ils étaient pas chers et j'en ai pris un petit. J'ai pris cette grosse bougie. Donc elle est très grosse et il y a 3 mèches, je trouve que c'est magnifique posé sur une table basse comme ça quand tu n'auras plus les affaires de mes enfants, je trouve que ça va faire très très beau posé ici. J'ai pris ce petit ornement qu'on met sur les portes avec écrit « Family is everything ». J'aime trop, c'est trop beau, en plus j'aime beaucoup la phrase. J'ai pris des petits torchons comme ça qui iront parfaitement dans ma cuisine au niveau des couleurs que je pourrais mettre sur les porte-manteaux, ça fera très très beau. J'ai pris ces petits dessous de verre façon marbre, donc j'en ai pris que 3, c'était les 3 derniers, je suis dégoûtée, sinon j'en aurais pris plus. Ils existaient aussi en tout miroir, mais ça j'en ai déjà que j'avais pris chez Action. Donc voilà, ceux-là sont vraiment très très beaux, c'est pour me des dessous de verre qui étaient à 1,50€ pièce. Et enfin j'ai pris ce petit signe, cette petite pancarte qui est vraiment trop mignonne pour le printemps, je la trouve belle et du coup l'écriture elle est... en mode miroir comme ça, je trouve ça très très joli. Pareil, elle était pas très chère puisqu'elle était à 2,50€. Bon, du coup, on passe à Monsieur Maddy. Ce que je lui ai pris, c'est toujours chez Primark. Donc, j'ai pris ce sweat que je trouve trop beau. Ça commence à être la mode. D'ailleurs, j'en ai vu un du même style chez Jennifer et je pense aller me le prendre. Comme ça, on sera assorti. Je le trouvais vraiment trop beau. Il y était aussi pour Aiden, mais je ne lui ai pas pris. Et par contre, je n'avais pas pour Noé. Donc, voilà, il n'y a que Maddy qui aura celui-ci. Je lui ai pris ce t-shirt qui est trop beau. Il faut savoir qu'à Primark, les t-shirts sont vraiment pas chers. Si je vous dis pas de bêtises, il était à 2€. Oui, c'est ça, il était à 2€. Je lui ai pris des petites lunettes de soleil, pareil, dans le style un petit peu camouflage. J'ai pris exactement les mêmes Aiden. Pour son anniversaire, je lui ai pris des claquettes Spider-Man plus des petits carnets Spider-Man. Il y en a un autre aussi derrière. Comme ça, du coup je lui donne pas maintenant, j'attends parce que sinon après à son anniversaire j'aurai plus rien à lui offrir tellement il a tout Spider-Man, ça devient inquiétant comme il aime Spider-Man, donc du coup j'essaye d'en réserver quelques-uns pour son anniversaire. Je lui ai pris ce lot de 2 t-shirts qui étaient à 5€, qui sont vraiment super jolis, très simples pour l'été.
Je lui ai pris une paire de claquettes qu'il mettra du coup pendant l'été, qui sont assez sobres et qui iront avec tout, contrairement à celle Spider-Man. Celle-là, c'est vraiment pour traîner dans le jardin après la piscine et tout, ça lui fera plaisir. Mais vraiment, des fois, quand on va sortir ou quoi, il sera beaucoup mieux avec celle-ci. Je lui ai pris un lot de deux pyjamas, donc ils sont pas top, c'est vraiment pas trop mon style, mais il restait que ça en sa taille. Il faut savoir que le 5-6 ans part très 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 vite chez Primark, c'est une des tailles qui part le plus vite, donc il n'y avait plus rien en pyjama à part ceci. C'est pas trop ce que j'aime, mais ça passe. Je lui ai pris ce jogging du coup avec le haut et le bas. Et je lui ai pris une série de shorts parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Et avant qu'il n'y en ait plus, parce que comme je vous dis, le 5-6 ans part très très vite, surtout à Primark où ils sont pas chers. Donc du coup, dès qu'ils sont en rayon, je les prends direct. Comme ça, au moins, je suis sûre d'en avoir pour l'été. En mode chino qui est kaki. Le même en beige. Je lui ai pris le fameux short en jean. Ça, c'est la base pour l'été. Il n'y a aucun de mes enfants qui n'a pas un short en jean, au moins l'été. Et ça, c'était un lot de deux qui était à 9 euros, je crois, les deux. Donc 4,50 le short. Ça, j'ai pris le même lot pour les trois. Comme ça, ils l'auront. J'aime bien leur prendre le même style d'habit pour l'été. Surtout l'été, je prends pareil. Et en fait, tous les jours, je match. Il y en aura un qui aura le short bleu foncé avec un polo blanc. L'autre, ce sera l'inverse, qui aura le polo bleu foncé avec un short, par exemple, en jean. Voilà, je leur prends à peu près la même base. Tous les jours, je ne les habille pas forcément pareil. Et enfin, je lui ai pris un pyjama Spider-Man et celui-ci, je lui donnais de suite puisque on pourra pas attendre son anniversaire qui est en juin. Il est un petit peu en mode velours. Et cette fois-ci, pour Noé, donc je lui ai pris trois t-shirts, dont un Marvel un peu militaire. Je sais qu'il va vachement lui plaire. Le Los Angeles aussi, magnifique. Il est trop trop beau. On dirait un maillot des Lakers, mais franchement, il est trop beau. Il coûtait pas cher, je crois 4 euros. Pareil pour le t-shirt Marvel, il était en promo à 4 euros. Et celui-ci, je pense qu'il était à 8 euros. Quelque chose comme ça. Et les shorts, pareil. Donc, il a un chino beige. Il a le même lot que Maddy, donc avec le bleu foncé et le gris foncé. Et il a celui-ci qui fait un petit peu plus streetwear qu'il n'y avait pas dans les rayons enfants, en fait. Donc, voilà, ça fait un petit peu plus grand. Et je lui ai pris aussi une paire de claquettes, donc là en camouflage. J'aurais préféré du tout noir ou alors du bleu foncé, mais il n'y avait pas. C'était soit blanc avec des trucs un peu fluo, soit celle-ci. Donc je lui ai pris celle-ci, ça ira très bien. Et on termine ce petit haul Primark avec du coup les affaires d'Aiden. Donc je lui ai pris comme m'a dit ce t-shirt-là, le lot de deux. Pareil, ce petit lot avec le short gris, l'autre bleu marine. Les petites claquettes comme ça et les petites lunettes. Donc lui, j'ai pas pris grand-chose parce que je verrai au moment venu. Et sachant qu'il lui reste quand même des choses de Maddy d'il y a 2 ans, plus qu'on lui avait mis à Dubaï, il y avait 2-3 trucs qui étaient un peu grands. Donc voilà, pour cet été, je pense que lui, il va pas lui falloir énormément d'habits. Donc on passe à Auchan et là, ça va être pour Noé. Donc je lui ai pris 4 polos, donc là aux couleurs de la France et celui-ci aussi. Donc vous allez voir que Maddy et Aiden ont aussi un polo qui ressemble à celui-ci, mais c'est pas exactement le même. Mais ils étaient vraiment vraiment pas chers. Je crois que celui-ci coûtait un petit peu plus cher que les autres, puisque oui, il était à 6 euros. Sinon, les autres sont à 3,50 € pièce et c'est vraiment la base pour les garçons l'été, le polo. Il n'y a rien de plus classe, ça passe avec tout et ça fait surtout très propre. Et ensuite, je leur ai pris deux shorts un petit peu plus streetwear qui n'étaient pas chers du tout puisqu'ils étaient à 2,50 €. Donc un bleu et un gris. Ensuite, toujours chez Auchan, mais cette fois-ci pour Maddy. Donc je lui ai repris des pantalons un peu comme ça, là, style cargo. Je crois qu'on dit ça comme ça. Donc gris foncé et un jaune puisqu'il n'a plus trop de pantalons qui lui vont en ce moment. Donc je lui ai repris. Pareil, je lui ai repris deux t-shirts manches longues pour mettre dès maintenant. Donc il y a celui-ci et les manches sont noires, on ne voit pas parce que j'ai dû poser dessus. Et celui-ci qui est blanc. Ensuite, je lui ai racheté des t-shirts du coup pour cet été. Un Boston, l'autre un petit peu camouflage mais avec des dinosaures. Le Cool Vibes que j'avais pris aussi pour Noé, j'ai oublié de vous le montrer. Je lui ai pris les trois polos donc comme Noé. Les deux shorts pareil comme Noé. Là, il a un pyjama mais qui est plutôt pour l'été puisque c'est t-shirt et short. Là, c'est le polo que je vous ai dit qui ressemblait un petit peu à celui de Noé, mais qui n'est pas exactement le même. Aiden a le même. Et un petit t-shirt, du coup, Team T-Rex en bleu et un petit peu de camouflage. Pour Aiden, je lui ai simplement pris les mêmes t-shirts que pour ses frères. Si jamais j'avais besoin pour une photo, pour sortir au resto ou quoi, de les habiller un peu pareil, qui sont un petit peu accordés tous les trois. Pas grand-chose, il a déjà plein d'habits pour l'été, mais voilà, c'était histoire d'eux.
Pour Kiabi, du coup, j'ai pris que ça, donc je ne vais pas vous faire enfant par enfant puisqu'il n'y a pas grand-chose. J'ai pris surtout des pyjamas pour Maddy puisque le week-end, il reste très souvent en pyjama. Des fois, il y a des accidents et tout, donc il change quand même très souvent. Et là, il n'en avait plus du tout. Il lui en restait que deux hier quand j'ai fait tout le tri pour savoir ce qu'il leur restait puisque je fais un tri avant d'aller au magasin. C'est super important, ça évite d'acheter n'importe quoi et d'acheter en double. Bref, et j'ai vu qu'il avait plus du tout de pyjama, donc lui, je lui ai vraiment pris énormément de pyjamas. Donc voilà, ceux-là sont très bien puisqu'ils sont à 5 euros pièce. Donc j'en ai pris un pour l'été et les deux autres qu'il pourra mettre maintenant au printemps. Je leur ai pris des shorts comme ça gris chiné, donc un pour Maddy et un pour Noé. Et pour Maddy, j'ai repris un pantalon parce que pareil, tous ces pantalons sont beaucoup trop courts. Donc il fallait que j'en rachète. Donc voilà, un tout simple comme ça, jogging parfait pour aller à l'école. Enfin, on termine par Zimane. Donc là, ça va être la section pour Noé. Je lui ai racheté des petites sockettes blanches, des caleçons tout simples noirs, ceux-là qui étaient... Du coup, un qui est un peu rouille comme ça et l'autre qui est gris. Ça fait vachement plus grand que ce qu'il a en ce moment. Donc voilà, il a rechangé. Je lui ai pris ce t-shirt que je trouve vraiment magnifique. Par exemple, avec son short chino beige, ça va être juste magnifique. Et je cherchais absolument une veste pour le printemps qui soit ni trop chaude ni pas assez. Et j'ai trouvé celle-ci. J'ai fait plusieurs magasins, j'ai galéré. Celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu l'esprit football américain. Ça ira d'ailleurs très bien avec ce t-shirt quand il le mettra, mais pour le coup, pas avec le short. Mais voilà, elle était pas chère, elle était à 15 euros. Donc je suis très contente. Et enfin, on termine avec Zimane pour la session de Maddy. J'ai oublié de vous montrer pour Noé ceux-là qui sont vraiment très beaux. Donc de base, je suis pas trop pour montrer les sous-vêtements. Je me dis que déjà si vous êtes arrivé au bout de ce haul, c'est que ça vous intéresse. Et surtout pour les mamans, si jamais chez Zimane, il y a vraiment des beaux caleçons pour les garçons. Et pas très cher comme vous voyez à 4 euros, donc ça fait 2 euros le caleçon. Et franchement pour les ados, comme ça passe nickel. Donc du coup je vais mettre ça avec le tas de Noé puisque j'avais oublié de montrer. Donc ça va ici. Donc cette fois-ci pour Maddy, donc je lui ai pris des pyjamas. Je pense que je vais pas redire pourquoi. Donc voilà, celui-ci j'aime trop, je le trouve magnifique. Celui-là un peu moins, mais je sais que ça lui plaira avec les dinosaures, le bleu et tout ça. Ils sont pas chers non plus. Je lui ai pris cette veste de survêtement, donc il n'y avait pas le bas, j'étais dégoûtée, donc du coup j'ai pris que le haut, style un petit peu, ça fait un peu camouflage on dirait de loin, mais en fait c'est des silhouettes du coup de dinosaures en kaki comme ça, il a énormément d'habits kaki donc ça ira très bien. Pareil, je lui ai repris des petites chaussettes et lui, je lui ai pris aussi des caleçons pour pas qu'il soit jaloux. Avec les têtes de tigre, ça fait penser un petit peu à Kenzo. Et derrière, rayé comme ça, là, ça m'a fait penser plutôt à Harry Potter dans les maisons et tout ça. Donc, je me suis dit que ça allait lui plaire. Bon, du coup, voilà pour ce petit haul pour les enfants. Donc voilà, j'ai pris énormément pour l'été, comme ça, je m'avance. Celui qui n'a pas compris que j'avais besoin de pyjama pour Maddy, je pense, n'a rien compris. Mais ça y est, je pense que là... On est plein au niveau des pyjamas. Pareil pour les t-shirts, que ce soit Noé ou même Maddy. Aiden un peu moins, je vous ai déjà dit pourquoi. Mais du coup, voilà, ils ont vraiment de quoi faire. Les shorts aussi, je pense même que pour cet été, je prendrai peut-être une petite veste légère pour les soirs où il fera froid. Et peut-être un ou deux autres t-shirts vraiment coup de cœur qu'on voit en magasin. Mais je pense que là, c'est bon. Ils auront assez pour passer l'été. Donc maintenant je vais passer à Action récupérer des boîtes pour pouvoir ranger ses habits et je vais vous montrer l'organisation que j'ai du coup quand on est encore en mi-saison et qu'ils ne vont pas encore porter les habits que j'ai achetés, je vais vous montrer comment je m'organise. Donc finalement je n'ai pas pris des boîtes, j'ai pris un petit meuble en plastique chez Action qui était à 13 euros avec 3 compartiments. Et du coup vu que j'ai 3 enfants ça tombe bien, je vais faire un compartiment par enfant. Et je vais plier façon Marie Kondo pour que tout rentre. Donc d'un côté les shorts, de l'autre côté les t-shirts. Donc ça, cette organisation c'est vraiment top quand vous faites les vêtements en fait pour l'été. C'est sûr que quand vous allez faire les vêtements d'automne, d'hiver où c'est des gros pantalons, des pulls, forcément il n'y aura pas la même organisation.
Et bien évidemment, moi qui adore les étiquettes et l'organisation, je vais étiqueter chaque casier. Donc là, c'est tout simple, j'ai simplement fait à l'ordi les étiquettes, je les ai imprimées, j'ai juste à les couper et je vais mettre un bout de scotch. Et donc du coup voilà ce que ça donne pour chaque casier. Personnellement je trouve ça trop satisfaisant. J'aime trop le voir chez les autres et j'adore aussi le voir chez moi. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes comme moi et que vous aimez trop voir les habits bien pliés etc. dans chaque boîte. Moi je suis avec Aiden. On va aller aux courses. Il court de partout. Je lui ai mis un bomber ce qui était à Maddy avant. Donc là il a déjeuné. J'ai même pas débarrassé. On débarrassera après. Ça je vous disais c'est un petit bomber ce qui était à Maddy. C'est du 3 ans qui était à Maddy. Et il a 16 mois. Et il met du 3 ans, ça y est, vous voyez, c'est un petit peu grand. Mais c'est pas choquant, quoi. Donc il met du 3 ans, du 2-3 ans, alors qu'il a 16 mois. Il a que 16 mois, ce bébé. On va mettre les chaussures. Et on y va. Let's go. Pour le look du jour, on repassera. Hein. Je suis avec la veste de Walid. J'ai mis un legging. J'ai mis les hugs, c'est parti, let's go. J'ai vraiment une sacrée dégaine, en sachant qu'en plus, c'est lui mon sac, donc je vous dis même pas à quoi je ressemble avec un sac habillé et en tenue de sport, on dirait une folle. Mais bon, c'est pas grave, je vais juste faire les courses, j'ai plein de trucs à acheter, je suis pas là pour le style, mais bon, voilà. Au moins, je vous montre un petit peu la vraie vie, pas tout le monde est stylé tous les jours pour aller aux courses, pas tout le monde est maquillé avec les derniers fossiles, etc. pour aller aux courses. C'est pas forcément la vraie vie, en tout cas, pas chez moi. Bon, du coup, j'ai tous mes accessoires, les sacs que je vous avais déjà présentés en vidéo, et ça, c'est un petit siège à mettre à l'intérieur du caddie pour éviter que le bébé soit en contact avec le caddie. Coucou Mimi. Hop, allez. On y va? Allez, let's go bébé, tu passes la main? Et voilà, les courses sont finies, donc j'ai racheté des paniers à linge, je vous montrerai plus tard pourquoi. Je vais les ranger, mais en tout cas, j'ai utilisé ces sacs comme à chaque fois que je vais aux courses. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. C'est toute mon organisation pour les courses, le budget, les courses, les menus, comment je fais, les sacs, etc. Je vous mettrai tout dans le petit i. Donc je commence par récupérer tous les légumes, je vais les mettre dans des bassines et je vais rajouter de l'eau avec du nettoyant. Le nettoyant, vous êtes beaucoup à me demander d'où il vient, je l'avais pris à Dubaï. J'avais vu dans des commentaires qu'apparemment on pouvait le trouver sur Amazon, personnellement je ne l'ai pas trouvé, si jamais vous l'avez n'hésitez pas à me le dire. En tout cas moi je l'avais pris à Dubaï, je vous l'avais montré quand j'avais fait ma vidéo course là-bas. Mais vous pouvez totalement le remplacer par du vinaigre blanc. Ultra simple, vous mettez pareil de l'eau, vous mettez un petit peu votre vinaigre et ça va désinfecter vos légumes. Moi j'aime pas trop le faire avec le vinaigre parce que j'ai l'impression que ça cuit les aliments, mais après c'est comme vous le sentez. Et pendant que les fruits et légumes sont en train d'un peu tremper dans l'eau avec la solution spéciale, moi je vais en profiter pour nettoyer mon frigo. À chaque fois, je vous le dis, il vaut mieux le faire avant de partir aux courses, mais à chaque fois, j'oublie. Donc du coup, je le fais après en arrivant, voilà, je nettoie tout. Ensuite, j'ai simplement arrangé mes courses et c'est réglé. Et maintenant, let's go pour la motivation ménage. Donc je vais vider ma poubelle, j'en ai mis une nouvelle. Là, je vais vider le lave-vaisselle, mettre la vaisselle sale en fait du matin dedans. Nettoyer mon évier, nettoyer le reste de ma cuisine. Vraiment, là, c'est motivation à fond pour ce dimanche. Moi, je ne l'ai pas fait le dimanche, mais je sais que j'aime trop le faire et je regarde aussi des vidéos. Donc voilà, le dimanche, on aime trop faire tout bien pour commencer la semaine tranquillement.
You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so... Pareil, on va nettoyer le four. Donc comme je vous ai montré, moi j'utilise le produit de Bio Belinda. Je le laisse un petit peu agir dans le four. Ensuite, je vais prendre cette petite raclette pour vraiment enlever les bouts brûlés qui ont du mal à partir malgré le produit. Et vous allez voir qu'au fond de mon four, j'ai une petite plaque aussi brûlée. J'ai bien réussi à l'enlever au tout début avec la petite raclette, mais il a fallu que je repose du produit pendant un moment. Ensuite, j'ai acheté ces lumières chez Action qui est à 1,50€ pièce, que je compte mettre en fait en dessous de mes meubles hauts de cuisine pour faire une petite lumière. Franchement, pas cher et trop bien. Sauf que j'étais à fond, j'avais pris mes piles, mais c'était des petites piles. Donc là, vous allez voir juste le moment déballage. Je vais vous montrer ce que c'est, mais j'ai pas pu les installer dessus. Donc je vous montrerai juste après, puisqu'en fait, c'était des petites piles et je n'en avais plus. Ensuite, je vais passer au rangement de mes boîtes de décoration. Donc je vais avoir une boîte pour Pâques et une boîte pour décoration de printemps, même si les deux vont être liés. Mais voilà, je dissocie parce que les choses de Pâques, c'est plus Pâques, les œufs, les lapins, etc. Et printemps, ben voilà, c'est les fleurs, le rose et tout ça. Et comme d'habitude, vous savez que j'aime tout mettre en boîte pour après mettre dans mon garage. Donc voilà, je vais tout ranger, je vais les étiqueter puisque aussi c'est la base, les étiquettes, j'aime trop ça, je trouve ça, enfin ça finit. Donc voilà, je vais étiqueter, ranger et comme ça, ça va peut-être vous motiver à vous aussi un petit peu ranger votre décoration, à tout bien mettre en boîte. Vous savez que c'est ma passion et que ça l'est aussi un petit peu puisque vous regardez mes vidéos et que vous aimez bien. Donc voilà, on a cette passion commune, on va dire. D'ailleurs, pour la vidéo de la décoration de Pâques et du printemps, elle va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas, je pense même que ce sera peut-être la prochaine vidéo. Je verrai comment je vais me motiver, mais voilà, ça arrive bientôt. C'est aussi pour ça que je rangeais les boîtes, pour pouvoir bien les sortir quand je vais vouloir décorer, que ce soit pas le bazar de partout. Et comme je vous ai dit, je finis par les étiquettes puisqu'après ça va dans mon garage, comme ça au moins je peux me repérer. Si jamais ça vous intéresse, c'est des étiquettes que moi je vends, donc si vous voulez des grosses comme ça, il faut me le préciser, m'envoyer un message pour que je puisse vous les faire, parce qu'à la base moi je fais des étiquettes qui ont toutes la même taille et c'est les étiquettes en fait qu'on met sur nos boîtes style farine, sucre, etc. Si jamais vous en voulez des grosses comme ça, n'hésitez pas à me le dire, mais sachez que c'est moi qui les fabrique. Entre temps, je suis passée à Casa et à Jiffy, j'ai trouvé des autres magnifiques déco pour Pâques, donc je les ai prises et cette fois-ci je les ai mis dans une petite boîte parce qu'en fait la boîte que j'ai pour Pâques était complètement remplie, je peux pas mettre plus, donc je verrai quand je rangerai, quand tout sera fini, si j'arrive à mettre ces éléments-là aussi dans ma boîte, je verrai d'ici là, mais en attendant, j'ai mis dans cette petite boîte-là et franchement, il y a des choses vraiment belles, je suis super contente parce que de plus en plus en France, dès qu'il y a des périodes style Pâques, Halloween, etc., ils commencent à mettre des décos, chose qu'il n'y avait même pas il y a 2-3 ans, c'était une galère, donc là ça commence à se mettre de partout, je suis trop contente, on trouve des choses super belles un peu de partout et même en grande surface.
Ensuite, toujours dans la team étiquette, rangement, organisation, on retourne dans le placard qu'il y a dans la chambre d'Aiden. Je vous avais déjà montré ces boîtes-là que j'avais faites. J'essaierai de vous retrouver la vidéo, vous la mettre dans le petit i. Et je vous avais dit que j'allais les étiqueter. Je ne l'ai jamais fait. Vous voyez, moi, je procrastine trop. Je vous dis, personne n'est parfait. Des fois, je vous dis, ouais, je vais faire ci, ça, ça. Et puis, je le fais un an après. La preuve en est, je fais les étiquettes que maintenant. Bon, bref, du coup, c'est le même principe que pour celle de la petite étagère en plastique. Je les ai faites à l'ordi, imprimées, coupées et j'ai mis du scotch. Et je vais tout bien ranger du coup dans ce placard. Donc voilà ce que ça donne pour le placard. Donc bon, il y avait déjà ces boîtes là, mais j'ai enfin fini par les étiqueter parce que depuis le temps que je vous le disais, bah, quand j'ai fait la vidéo en fait, donc je pense que ça doit dater de bien 6 mois, j'avais toujours pas étiqueté. Donc comme ça au moins c'est fait, on peut retrouver plus facilement, même pour Walid, si jamais je lui dis bah tu sais quoi, va me prendre l'été 4 ans, je vais tout mettre dans l'armoire ou quoi que ce soit, ou même avec Noé. Tout est écrit, on n'a pas galéré. Et justement, avec Walid, on se remémorait quand on était petit. Je pense que ça nous l'a tous fait pour ceux qui avaient des parents pas ultra organisés. Moi, ma mère, elle m'achetait des vêtements en avance et elle me mettait tout au-dessus de l'armoire. Mais il y a cette... enfin, tout était mélangé. Il pouvait y avoir des affaires en 12 ans qu'elle avait trouvées en solde qui valaient vachement le coup. Comme des affaires en 10 ans, comme des trucs en 16 ans. Parce que ma mère achetait beaucoup, 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 mais vraiment beaucoup en avance. Donc du coup, c'était tout mélangé. Et puis des fois, ça lui arrivait. Et même moi, après, avec Noé, quand j'avais que Noé, acheter des trucs en avance et oublier. Et au moment en fait où ça va à l'enfant, et ben on oublie complètement, on lui donne pas et puis on le retrouve quand c'est trop tard. Donc comme ça au moins tout est bien trié, je sais ce qu'il y a dans chaque boîte. Là dans cette petite armoire en plastique du coup, et c'est ce qu'ils vont utiliser là cet été. Les chaussures pareil, c'est les chaussures que j'ai pris en avance pour cet été. Et là après ça on n'utilise pas puisque ce sont les tenues traditionnelles que ma belle-mère nous ramène à chaque fois qu'elle va au Maroc. Mais là avec tout ce qui s'est passé, bah, elle est plus retournée au Maroc. Je crois que ça fait 2 ans donc toutes les tenues là sont trop petites. Et là c'est les souvenirs de bébé donc voilà, on les prend pas, on les laisse juste là. Mais franchement avec les petites étiquettes comme ça c'est trop pratique. J'ai voulu les faire comme ça, blanches et avec du scotch pour que je puisse les enlever quand je vais changer les choses à l'intérieur. Par exemple, là, l'hiver, 3 ans, ça va aller à Aiden pour la rentrée. Il va le mettre et puis après, je vais plus re-ranger dedans puisque bah, Aiden est le dernier. Donc, les habits, je vais les donner. Donc, voilà, que je puisse enlever l'étiquette sans que ça laisse de traces. Et puis, voilà, je changerai après au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, je suis très, très contente de ce placard. C'est exactement ce que je voulais. Un placard bien rangé et surtout étiqueté pour bien tout retrouver. Et enfin, on termine en beauté avec la team procrastination qui n'a pas fait son linge pendant 4 jours. Voilà ce que ça donne. Donc je me suis motivée, je me suis mise sur le tapis et j'ai rangé tous mes bacs de linge. Et je voulais vous le montrer aussi dans cette vidéo puisque c'est une vidéo motivation. Et que je sais que vous êtes beaucoup à être débordés par le linge, surtout quand on a plusieurs enfants. Donc voilà, je voulais un petit peu vous motiver. Moi, j'ai pris mon courage à deux mains. Et je vais le faire. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, là où je suis en train de vous parler, là, à l'heure actuelle, j'ai aussi 3 paniers à linge à faire. Donc je finis vite cette vidéo et je go, moi aussi, me motiver à ranger et à plier mon linge. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura motivé. C'est le principal et c'est vraiment le but. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.